Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence Vitoli euh, de ce soir. Donc, c'est la première conférence de l'automne 2023 durant laquelle je vais vous dévoiler la programmation. Vous allez voir, on a une brochette extraordinaire de conférenciers cet automne sur beaucoup de sujets euh, de l'heure vraiment très, très intéressants, très pertinents, euh, dont entre autres le cholestérol. On va revenir aussi sur la ménopause, bien sûr. On va avoir une conférence sur le diabète de type 2. Sur le syndrome du côlon irritable, sur le poids corporel. Donc, beaucoup de facettes passionnantes euh, qui, euh, qui vont être couvertes cet automne d'ici le 14 décembre. Donc, les conférences débutent ce soir avec la présentation de la programmation euh, jusqu'au 14 décembre. En fait, la dernière conférence de la saison, ça va être le Dr Evelyne Borduarois, euh, qui va nous parler du diabète de type 2. Donc, sans plus tarder, euh, je vais vous partager mon écran euh, pour me permettre d'utiliser. Tiens, ma présentation. Regardez ici. Voilà. Et tel que mentionné, je vais demeurer à la fin avec vous, en fait, pour me permettre de répondre à vos questions. Donc, un premier élément euh, que je, dont je suis très fier, en fait, que je vous annonce ce soir et qui va nous suivre durant euh, toute la période de l'automne, euh, c'est que les conférences Vitoli de cet automne sont euh, sponsorisées. Donc, vous sont présentées par euh, des partenaires. Euh, dont Case Nutrition. Euh, je vous invite à visiter leur site Internet. En fait, Case Nutrition, tu appelles sur Internet, vous allez trouver c'est facile. C'est des spécialistes de l'alimentation réduite en glucides, réduite en sucre, euh, donc qui offrent beaucoup de produits. C'est une entreprise québécoise. C'est vraiment très, très intéressant à aller voir. Et euh, bien sûr, en Avril, le supermarché euh, qui commandite donc les événements Vitoli euh, de cet automne. Donc, euh, nos partenaires vont être avec nous tout l'automne. Euh, présents en fait à toutes les conférences. On va toujours bien sûr vous les mentionner. On vous invite bien sûr à les visiter tout simplement pour les remercier euh, de leur collaboration. Donc, l'annonce de la programmation euh, de l'automne 2023, vous allez voir en fait ici, vous avez quelques-unes, euh, quelques entre autres, des euh, conférencières qui vont être avec nous et Dino Alicas. En fait, il y a un seul homme dans l'image à part moi-même en tant que tel, donc qui allons être présents cet automne. Donc, je vous le répète, les conférences Vitoli vous sont présentées par Case Nutrition et vos euh, Supermarchés Santé avril euh, pour toute la session de l'automne qui s'en vient. Donc, quelques points en fait, pour ceux et celles peut-être qui ne nous connaissaient pas déjà, j'ai fait quelque chose de différent au niveau de la présentation de l'entreprise. Je vais vous parler rapidement de la rediffusion des conférences qui sont déjà sur la plateforme iDone Technologies. C'est quelque chose de très apprécié. Vous allez voir, c'est le fun à, à visiter. Et je vais vous présenter les 16 conférences, en fait, du 31 août au 14 décembre 2023. Donc, l'entreprise, c'est bien sûr une entreprise que j'ai créée moi-même, en fait, qui a été fondée en 2013. Euh, euh, je suis l'auteur de quatre livres avec 11 autres professionnels de la santé, donc, les livres Vivre jeune plus longtemps. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le bureau du Québec, pendant plus de dix ans. Je suis un membre nommé de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, donc des molécules qui permettent de ralentir le vieillissement cellulaire. Il Technologies est l'entreprise que j'ai créée, donc qui euh, fait de la recherche dans le domaine du vieillissement. Si vous aimeriez avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est que la recherche dans le domaine de la longévité cellulaire, les mécanismes en question, je vous invite à visiter mon site internet personnel, donc à usimar.com. E euh, vous allez trouver une foule de choses en fait sur le site internet. Euh, entre autres, la liste des conférences de l'automne est là, en fait, avec tous les liens. Euh, mais dans l'onglet recherche spécifiquement, donc vous allez avoir des informations. Euh, qui euh, vous permettent de mieux comprendre qu'est-ce que l'on fait en recherche sur les gérosuppresseurs. Donc, les gérosuppresseurs sont des molécules qui vont ralentir le processus du vieillissement, qui vont agir avant même l'établissement des maladies de façon à réduire l'incidence des maladies associées au vieillissement, des maladies les plus graves de notre époque. Donc, on compte entre autres à travers les maladies associées au vieillissement, le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, maladies d'Alzheimer, maladies du rein, le diabète de type 2 et même le cancer. Donc, c'est sûr que c'est une approche qui est beaucoup plus euh, efficace et performante de prévenir les maladies que d'essayer de les combattre une fois qu'ils sont implantés, comme on fait dans l'approche pharmaceutique conventionnelle. Ça nous a amené à créer les produits Vitoli, qui sont des produits naturels, donc des suppléments qui contiennent, tous les produits Vitoli contiennent des gérosuppresseurs, donc des molécules qui vont agir sur le vieillissement cellulaire, euh, donc qui contiennent aussi, bien sûr, des, que des ingrédients standardisés. On est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plantes qu'on utilise sont standardisés et tous aux doses cliniques, en fait, pour permettre l'efficacité. Euh, donc, c'est des produits aussi, bien sûr, qui sont fabriqués au Québec, donc je suis très fier, vous savez. Euh, il y en a 12 différents. Maintenant, on a aussi trois types de formats à travers les produits Vitoli. Donc, vous les retrouvez dans plus de 2000 points de vente déjà actuellement. Et nous avons, au cours des dernières années, lancé les produits bases qui nous permettent de compléter l'offre. <laughs> Dans les suppléments, euh, en nous permettant d'aller aussi du côté des produits qui ne sont pas des formules, mais qui sont plus des euh, produits pour la base de votre santé. Donc, c'est le concept. Les oméga-3, la vitamine D3, entre autres, et une formule probiotique unique. Donc, qui est l'essentiel au quotidien. Sur le site internet de Vitoli, vous retrouvez tout ceci, et même beaucoup plus en tant que tel. Donc, Vitoli a aussi euh, supporté euh, la diffusion d'informations euh, pour la santé intégrative, pour la santé de façon générale au cours des dernières années, puis on va continuer à le faire à l'aide d'un blog qui regroupe maintenant plus de 40 experts variés de tous les domaines. Donc, on a euh, cinq médecins, entre autres cinq pharmaciens aussi, euh, des naturopathes de très haut calibre, on a euh, un acupuncteur, on a aussi des psychologues, on a des gens vraiment de tous les domaines. À des nutritionnistes qui sont là aussi pour vous donner de l'information sur toutes les facettes de la santé et des saines habitudes de vie, donc pour vous accompagner à garder vos capacités le plus longtemps possible. Bien sûr, je vais vous inviter à partager les événements Vitali tout au long de l'automne, en fait, partager nos, publici nos publicités, nos publications pour nous aider à faire progresser la communauté, en fait, pour la longévité en santé. On a un groupe Facebook aussi qui est Santé Conseil Vitali, qui permet de poser des questions, qui permet d'être informé aussi. De façon souvent plus précise ou plus rapide, de, des spéciaux dans les circulaires, par exemple, des entrées dans les magasins ou encore de différentes questions d'usage courante hein, de, euh, à propos de nos produits. Ici, vous voyez deux des conférences qui vont avoir lieu cet automne, entre autres. Là, donc, je vais vous les représenter euh, tout à l'heure une conférence sur la ménopause avec euh, Véronique Bourbeau, en fait, un excellent. Euh, euh, naturopathe agréé que vous connaissez déjà qui a déjà donné trois conférences avec nous et Dino Alicas que vous connaissez aussi en fait qui est le président de l'association des naturopathes agréés du Québec. Donc un point sur les conférences des dernières saisons en fait que vous retrouvez sur la plateforme Idone technologie la façon d'avoir accès en fait aux conférences qui sont déjà diffusées puis je le dis en fait parce que on va de la même façon cet automne ajouter au fur et à mesure les conférences les enregistrements sur la plateforme IDON euh, Technologies. Vous y avez accès via le site internet de Vitoli à vitoli.ca. Quand vous cliquez en bas sur Conférence santé, ça va vous amener directement sur la plateforme IDON Technologies euh, qui ressemble à ceci. Donc, regardez bien. Et voilà. Reprendre votre santé en main, une étape à la fois. Donc, c'est des conférences, des formations, des documents, en fait, qui sont à votre portée. Euh, la raison pour laquelle nous avons euh, procédé ainsi, en fait, euh, c'était entre autres pour permettre de facilement retrouver les conférences en différé avec du contenu téléchargeable. Euh, donc, ça, ça allait maintenir aussi l'accessibilité aux conférences gratuites. Alors, je ne vous le cacherai pas, les conférences Vitali, ça nous coûte très cher à chaque, à chaque saison, euh, en logiciel en tant que tel, donc en support de, de numérique de tout type. Pour nous permettre de vous rejoindre, nous permettre de diffuser, d'enregistrer, etc. Pour, donc, dans le but de garder les conférences vitoliques gratuites, on, les, on rend les rediffusions en fait pour la majorité des conférences payantes sur la plateforme IDON Technologie, avec deux options. Donc, il y a du contenu qui est gratuit encore. Vous voyez ici la rediffusion de la conférence sur les oméga-3, euh, qui parle en fait des bienfaits, elle est gratuite. Uh, vous voyez en bas aussi les conférences des collaborateurs du blog de Vitoli, donc qui vous présentent différents collaborateurs du blog, sont gratuites aussi. Uh, puis il y a certaines conférences payantes, donc comme par exemple la conférence sur le jeûne, pour rester jeune plus longtemps, uh, est à 29,99 Vous avez la possibilité de vous abonner à la plateforme pour 199,99 donc 200 par année pour avoir accès à tout le contenu au complet. Donc, c'est plus de 30 conférences que vous allez trouver en fait sur la plateforme. Euh, donc, pour 200 par année, euh, vous y avez accès quand vous vous abonnez pour un an. Donc, peu importe la date à laquelle vous vous abonnez, vous allez y avoir accès pour un an. Puis, ça va inclure aussi toutes les prochaines conférences qu'on va ajouter pendant l'année en question. Donc, ça nous permet aussi de vous partager des documents. Donc, c'est une demande qu'on avait fréquemment de partager le contenu en tant que tel. Des diapositives permettent de prendre des notes. Donc, c'est maintenant possible, mais aussi certains documents. Donc, je vais y revenir, vous allez voir. Et... Un accès facilité aux conférences passées parce qu'avant, on les rendait disponibles sur la chaîne YouTube de Vitoli qui existe toujours. Je viens en parler tout à l'heure. Euh, les conférences Vitoli, le problème, c'était qu'il y avait plus de 300 conférences déjà euh, en tant que telles sur la chaîne YouTube de Vitoli. Euh, plus de 300 vidéos, en fait, qui n'est pas juste des conférences, il y a des lives, il y a toutes sortes de choses. Euh, donc, je vous invite aussi à en prendre connaissance hein, sur YouTube. Vous tapez Vitoli, vous allez trouver la chaîne dans laquelle vous allez trouver, entre autres aussi, les émissions La Santé outre Donc, c'était plus facile de euh, les regrouper sur une plateforme pour que vous permettent, en fait, de euh, vous promener plus facilement, trouver les sujets qui vous intéressent, en fait, plus facilement, puis nous permettent aussi de vous donner des documents que vous pouvez télécharger. Donc, là, un exemple ici, euh, c'est une section, dans le fond, euh, actuelle. C'est une photo que j'ai prise ce matin. Euh, en fait, de la plateforme. Vous voyez donc euh, la conférence, euh, rediffusion de la conférence Vitoli, recommandations et témoignages qui portent spécifiquement sur les produits. À côté, vous avez une conférence que je vais vous parler tout à l'heure qui est une conférence exclusive, en fait, hein, qui n'a pas été donnée lors des conférences Vitoli, mais pour laquelle le contenu est quand même disponible sur la plateforme. Donc, c'est la restriction thérapeutique en glucides, euh, avantages et applications. Donc, vous avez maintenant trois conférences complètes, entre autres, sur l'alimentation réduite en glucides ou ce qu'on appelle couramment l'alimentation cétogène. C'est du contenu vraiment de très grande qualité. Ici, la conférence en question est donnée par un médecin, euh, c'est le Dr Catherine Bouchard, en fait, qui est de la région de Québec, en fait, qui est une médecin très, très appréciée. Euh, en bas, vous avez la conférence Comment conjuguer masse musculaire, jeûne et longévité. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le jeûne, il y a deux conférences sur le jeûne, euh, dont celle-ci que j'ai donnée aussi dans un événement professionnel. Donc, c'est une conférence qui n'a pas été donnée non plus durant les conférences Vitali. Donc, il y a un certain contenu exclusif aussi de la plateforme. Euh, et vous avez donc, bien sûr, euh, beaucoup d'autres conférences, donc c'est plus de 30 conférences. Euh, avec habituellement le contenu des diapositives en trois diapos par page avec des espaces pour prendre des notes. Euh, donc, s'il y a des conférences, vous avez beaucoup apprécié, puis vous vous dites que vous aurez aimé les, les, les revoir tout simplement, pouvoir prendre des notes, bien imprimer le document, en fait, puis prendre les notes pendant la conférence. Euh, C'est maintenant possible. Euh, il y a des, quand il y a des documents qui sont mentionnés durant la conférence, on les rend disponibles aussi en télécharger en PDF. Euh, certaines références scientifiques aussi de la même façon. Donc, euh, pour vous montrer quelques-unes des conférences qui sont disponibles actuellement sur la plateforme, euh, donc vous avez bien sûr, je vous ai parlé des conférences sur l'alimentation cétogène, vous avez celle de Dino qui a été terriblement appréciée, tout savoir sur la diète cétogène ou très faible en glucides. Euh, vous avez par la suite euh, ma conférence que j'ai donnée avec la Société d'Alzheimer Montréal euh, cette année, au début de l'année, donc le 2 mai, hein, au printemps. Euh, sur l'Alzheimer et la prévention, en fait, ou les troubles neurocognitifs, l'état de la science sur la prévention. Vous avez la conférence qui a été très, très populaire de euh, Julie Goulet. En fait, on avait 2000 personnes inscrites à la conférence du 19 janvier euh, 2023 avec Julie. Et Julie est notre conférencière de la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas ça, en fait. C'est une docteure en nutrition euh, qui est formée en médecine fonctionnelle. Euh, vous avez la conférence Le Sommeil et les somnifères qui a été donnée par notre pharmacien, donc le pharmacien d'Idone Technologies, qui est M. André Perrault. Euh, vous avez ma conférence sur les probiotiques, euh, donc qui vous explique, entre autres, le produit base probiotique que l'on a mis en marché au cours de la dernière année, euh, qui est maintenant, qui est revenu en passant hein, au niveau de la disponibilité s'il y a des gens qui le cherchent. La conférence que je vous ai parlé tout à l'heure de Dr Catherine Bouchard sur la restriction thérapeutique en glucides, les avantages et les applications. Euh, ma conférence, la première partie sur les euh, Oméga 3, vous avez vu tout à l'heure, mieux comprendre des bénéfices pour votre santé. Et la conférence sur le jeûne, en fait, euh, et la masse musculaire, pour ceux et celles qui sont intéressés par la question, ça, ça va beaucoup plus loin, en fait, ici, au niveau des processus. Donc, il y a deux conférences sur le jeûne, je vous, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas familier avec le sujet, de ne pas commencer par celle-ci, de commencer par l'autre, en fait, euh, conférence pour avoir une meilleure idée. Des bases avant d'aller un petit peu plus loin de façon un petit peu plus approfondie. Donc, il y a toute une section aussi de formations qui sont des formations programmées. Donc, ici, ce n'est pas des enregistrements vidéo, c'est du texte, des questions, des choses que vous faites en fait tout au long qui regroupent entre autres les formations qu'on a données aux professionnels de la santé depuis 2016 maintenant, donc sept ans. Euh, qu'on donne de la formation professionnelle de la santé, entre autres la formation Vitoli. Donc, vous l'avez en entier sur la plateforme. En fait, vous pouvez la faire, arrêter en plein milieu, recommencer où ce que vous étiez rendu. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, c'est une, pla une plateforme d'apprentissage. Hein, la plateforme, il donne technologie. Et vous avez aussi les euh, formations euh, sur le sommeil et le stress. Donc, la formation sur le sommeil et le stress aussi qui est euh, vraiment très, très intéressante. Et ça, c'est gratuit en passant ces formations-là. Vous avez une section de documentation qui nous permet de euh, rendre disponibles des documents téléchargés pour différentes raisons, dont les professionnels de la santé. Tous les documents de contre-indications et interactions potentielles des produits Vitali, on les a déposés euh, euh, dans la plateforme aussi. Donc, c'est facile d'aller les chercher tout ensemble du même coup. Euh, en tant que tel, des articles scientifiques de nos recherches, que vous pouvez les télécharger aussi de la même façon, sont disponibles. Les fiches des contre-indications euh, potentielles, comme je mentionnais tout à l'heure. Et les fiches de présentation, en fait, des produits euh, donc, qui sont disponibles. Puis là, je vous invite à porter attention dans les différentes sections de la plateforme Idon Technologies. Vous avez en bas euh, des mentions page 1 et 2. Quand vous êtes dans les conférences, il y en a 6 des pages en tant que telles. Donc, faites un peu attention. Vous pouvez tout simplement naviguer en cliquant sur les pages en bas pour changer de page, pour regarder les autres sections suivantes. Donc, les fiches des contre-indications, une petite parenthèse juste pour vous mentionner que c'est quelque chose d'extrêmement utile, en fait, que euh, je, je le mentionne encore couramment sur les réseaux sociaux, mais même par courriel, euh, en bas de chacun des tableaux de composition de chacun des produits sur le site internet avitali.ca, vous avez une mention qui est indiquée Télécharger la fiche d'interaction potentielle. C'est pour vous permettre de la remettre à votre pharmacien ou à votre médecin pour lui donner plus d'informations sur le produit. Donc, ce n'est pas, pas là pour euh, vous permettre d'évaluer vous-même si vous pouvez les prendre ou pas. Euh, aucunement. C'est tout simplement faciliter le travail de votre pharmacien ou de votre médecin. Normalement, c'est le pharmacien qui va regarder ça avec vous. Et il faut savoir, dans le fond, que euh, même les pharmaciens chevronnés dans le domaine, ça peut le prendre trois ou quatre heures à déterminer comme il faut les risques d'interaction d'un produit. Donc, c'est bien sûr beaucoup trop de travail pour qu'ils fassent ça à toutes les fois que quelqu'un le demande au comptoir, tout simplement. Euh, le, leur outil ne le permet pas nécessairement euh, d'être très, très euh, spécifique sur un produit donné. C'est la raison pour laquelle on a produit les fiches qui sont signées par notre pharmacien et qui sont révisées par Jean-Yves Dionne, en fait, qui est un autre pharmacien québécois très connu, qui est spécialisé, bien sûr, dans le domaine. La chaîne YouTube, je vous en ai parlé rapidement, c'est juste pour vous mentionner qu'elle est bien sûr encore en ligne. On dépose du contenu sur la chaîne YouTube toutes les semaines, encore aujourd'hui, dont les émissions La santé autrement que j'anime, qui sont des émissions de télévision diffusées par Cogeco, la seule émission de télévision en santé intégrative au Québec qui est diffusée sur les 16 stations de Cogeco à la grandeur du Québec. Honnêtement, j'en suis vraiment très fier. En fait, on a deux saisons actuellement de diffuser. Euh, des émissions La Santé autrement. Donc, vous allez les retrouver sur YouTube, vous pouvez les écouter quand vous voulez. Euh, et la troisième saison va être filmée, en fait, à la fin du mois, de, au milieu du mois de septembre, euh, qui devrait commencer à être diffusée, là, probablement au milieu du mois d'octobre environ, euh, donc cet automne. Donc, on va continuer tout simplement avec les émissions La Santé autrement. C'est des émissions qui, à chacune des émissions, vous avez une question qui est posée à la population dans un «box-pop». Euh, dont les euh, résultats, en fait, hein, les réponses des gens vous sont ramenés au début de l'émission. Et par la suite, on discute de la question euh, avec nos experts permanents de l'émission qui sont une médecin, une pharmacienne, un naturopathe et un expert invité qui, lui, vient approfondir le sujet à chacune des émissions. Donc, lui, il change l'expert invité à chacune des émissions. Donc, c'est vraiment fort intéressant. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y en a déjà 18 en tant que tel d'enregistrer qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Vitaly Et vous pouvez bien sûr vous abonner avec le petit bouton rouge que vous avez vu circuler. Normalement, le bouton ne bouge pas en passant. Si vous voyez bouger le bouton, euh, c'est parce que vous êtes fatigué. Normalement, le bouton ne bouge pas. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner tout simplement. Et vous avez aussi sur la chaîne YouTube beaucoup de contenu de conférences qu'on a, euh, qu a diffusé dans le passé, dont entre autres l'entretien avec euh, mon ami Dr Gaétan Brouillard, en fait, qui nous a fait euh, l'honneur euh, l'automne dernier, euh, de terminer en fait la session des conférences avec euh, l'urgence de reconnaître son médecin intérieur. Donc en décembre, euh, l'automne dernier, ça a été vraiment un très très grand plaisir de l'avoir avec nous. Donc euh, médecin très très apprécié, bien sûr, qui est médecin à la retraite euh, maintenant. Donc les conférences de l'automne à partir du 31 août à aller jusqu'au 14 décembre maintenant, je vous rappelle que les conférences vous sont présentées par Case Nutrition. Euh, qui euh, est une entreprise québécoise spécialisée euh, dans l'alimentation faible en glucides en tant que telle. Donc, c'est beaucoup de solutions de santé que vous pouvez utiliser dans votre cuisine, en fait, chez vous. Euh, toutes sortes de produits en fait qui sont disponibles. Il y a des suppléments aussi sur le site internet. Je vous invite à, à visiter tout simplement euh, sur leur site internet. Et à avril, les supermarchés santé que vous connaissez très bien, qu'on retrouve partout au Québec. Euh, donc, qui viennent tout juste d'entrer toute la gamme Vitoli et toute la gamme base. Donc tous nos produits sont disponibles dans les magasins avril. C'est les seuls points de vente qui ont tous les produits de disponibles en tablette. Donc, je vous invite bien sûr à les visiter. Cet automne, dans les conférences donc de l'automne 2023, nous aurons deux docteurs en nutrition. Je vais vous montrer c'est qui. Euh, deux naturopathes, euh, un médecin, une médecin en fait, euh, deux nutritionnistes, euh, un chercheur qui est moi-même, une docteure en kinésiologie spécialisée dans le contrôle du poids et une spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, sans plus tarder, le 31 août, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, la conférence porte sur le métabolisme, les hormones et la perte de poids avec Julie Goulet. Donc, il va nous expliquer comment faire pour que ce soit durable, tout simplement, pour bien le faire, ne pas jouer au yo-yo comme on sait habituellement, et comment faire attention à notre santé de façon euh, complète, en fait, de façon fonctionnelle, intégrative. En tant que tel, donc considérer tous les aspects. Ça va être vraiment, vraiment euh, très, très intéressant. Julie est très, très appréciée. Euh, la semaine suivante, en fait, euh, et l'autre semaine qui va suivre, ça va être un peu particulier. Nous allons diffuser des enregistrements via la chaîne YouTube de Vitoli. Donc, vous pouvez tout simplement vous inscrire aussi. Vous allez recevoir un lien, tout simplement, euh, vous indiquant quand est-ce que la diffusion commence en tant que telle. Euh, mais la raison, c'est tout simplement que je vais être en, en vacances en Europe. Euh, donc, euh, le, le, le 7 en tant que, et le 14 septembre, donc le 7, ça va être pourquoi les produits Vitoli sont-ils si différents? On va aller un petit peu plus en profondeur pour vous expliquer c'est quoi qui fait en sorte que les produits soient plus efficaces, pourquoi sont ils sont si différents que ce qu'on retrouve dans le marché des suppléments. Et le 14, vous allez avoir une conférence plus approfondie sur lesquels produits servent à quoi. Donc, les produits Vitoli pour vivre jeune plus longtemps, quels produits sert à quoi, comment les utiliser, quand est-ce les prendre, à quoi faire attention? Donc, ça va être plus de recommandations. Par la suite, on reprend les diffusions normales. Donc, je vais être de retour. On va avoir filmé les nouvelles émissions de la Santé Autrement, donc le lundi et le mardi de cette semaine-là, de septembre. Et le jeudi, on reçoit ma grande amie, en fait, Hélène Baribot. Je suis vraiment très content qu'Hélène ait accepté d'être avec nous pour nous parler de l'intestin irritable, l'alimentation FODMAP et consciente à la rescousse. Hélène est une nutritionniste qui est très connue, qui a écrit des livres, qui a fait de la télévision dans le passé, de la radio, euh, et qui s'est spécialisée dans sa pratique dans euh, le syndrome de l'intestin irritable pour aider les gens justement à mieux vivre avec cette problématique-là. Donc, c'est vraiment un spécialiste du domaine. Si vous connaissez des gens qui souffrent de l'intestin irritable, c'est le temps de leur rendre service. En fait, c'est une conférence gratuite et ils vont avoir l'occasion de poser leurs questions, en fait, à Hélène Baribot, donc le 21 septembre. Donc, parlez-en à vos amis, n'hésitez pas à faire circuler l'information. Le 28 septembre, optimiser votre système immunitaire. Donc, c'est une conférence qui a été très, très, très appréciée au printemps. Euh, donc, je vais redonner donc euh, en septembre avec toujours du nouveau contenu parce que je fais toujours des mises à jour, en fait, des conférences à toutes les fois. Euh, mais on a cru bon au début de l'automne, en fait, d'en parler euh, parce que, bon, vous savez, euh, normalement, chaque automne, on a une recrudescence des infections respiratoires de tout type, euh, tout simplement. Donc, c'est le temps de penser à notre système immunitaire euh, avant la période hivernale. Le 5 octobre, une question qui nous est euh, tout le temps posée, en fait, hein, qui est une... Euh, euh, une question omniprésente dans la pensée de, de la santé en fait des gens, le cholestérol. On va parler des mythes, des réalités, des médicaments et des suppléments avec Dino Ricard, c'est un spécialiste du domaine de la loi, c'est vraiment très très intéressant. Donc Dino a donné des conférences sur le cholestérol et là il va la donner pour nous, euh, tout simplement pour mieux vous informer. Et encore là de la même façon, il va être disponible pour répondre à vos questions à la fin. Le 12 octobre, je vous parle des probiotiques, donc mieux comprendre les bénéfices pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui se demandent encore quand est-ce qu'on devait prendre des probiotiques, pourquoi on les prend, à quoi faire attention quand on sélectionne un bon probiotique. Il faut savoir que ça a été une grosse partie euh, de mes études de doctorat. Donc, j'ai moi-même identifié une nouvelle espèce de probiotique qu'on a mise en application, qu'on a documenté scientifiquement et qu'on a même amené en production à l'échelle industrielle, donc qui a été vendue par la suite, en fait, à des intérêts suisses. Euh, ceci étant dit, c'est un domaine que je connais extrêmement bien. J'ai été par la suite aussi vice-président sciences et développement chez BioCap Plus International, euh, que vous connaissez sûrement. Et ça m'a amené, bien sûr, en fait, pour euh, rendre disponible des produits de grande qualité, et, à, à désigner donc définir euh, notre propre probiotique qui est sous la marque BASE, donc B-A-S-E, base probiotique, euh, que vous, qui est disponible maintenant euh, en grand, avant tout sur notre site internet à Vitali.ca mais aussi dans certains magasins d'aliments naturels, dont entre autres dans tous les Avril actuellement, mais aussi même certaines pharmacies. Donc, on est en train d'y rentrer dans des magasins. 19 octobre, en fait, Joanne Gilbert, que j'adore, qui est une docteure en kinésiologie, qui a elle-même eu des problèmes avec la perception de son poids corporel dans le passé, mais qui a surtout eu beaucoup de problèmes avec la façon dont on traite le poids corporel dans la population, le regard qu'on a là-dessus. Mais surtout le regard qu'on a sur nous-mêmes en tant que tel. Et regardez le titre, là, Change parce que tu t'aimes et non pas parce que tu te détestes. Écoutez, c'est un autre mode de pensée qui est fort utile à développer. En fait, quand on pense santé, on le fait, on devrait le faire pour nous avant tout. C'est une spécialiste du domaine, vous allez voir, c'est incroyable, c'est extraordinaire. J'adore, en fait, Joanne, sa façon de présenter les choses, la façon de nous ramener à ce que ça aurait toujours dû être et non pas le fait d'être influencé. Euh, parce qu'on considère la beauté ou qu'on considère nos normes actuelles. Euh, donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, il faut avant tout agir pour nous-mêmes. Donc, ça va être une, une conférence vraiment très, très pertinente. Vous allez voir. Le 26 octobre, les approches naturelles pour la ménopause. Donc, c'est Véronique Bourbeau qui nous revient sur la ménopause, mais ce coup-ci en nous parlant uniquement des approches naturelles. Donc, elle va aller un petit peu plus loin que l'an passé sur les approches naturelles en tant que telles, mais elle va rester, en fait, sur juste les approches naturelles. Donc, si, en fait, dans le domaine de la ménopause, les approches naturelles vous intéressent, on a bien sûr parlé beaucoup euh, des hormones, en fait, puis euh, des, euh, des approches hormonales euh, dans la dernière année. On a décidé cet automne d'y euh, retourner vers la ménopause, mais en parlant juste des approches naturelles, tout simplement, euh, pour faciliter la compréhension de tous et chacun. Donc, c'est une experte dans le domaine qui va nous en parler. Madame Bourbeau collabore, entre autres, avec les cliniques du CMIE, de, 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 de docteur des hôtels, l'île des Hôtels, en fait, qui est une, une amie à moi, mais aussi une grande collaboratrice aussi, en fait, de Eden Le 2 novembre, ces aliments qui nourrissent le cerveau, en fait, avec Andréane Martin, nutritionniste que j'aime beaucoup. Andréane, qui vient tout juste d'avoir un petit bébé neuf. Euh, dernièrement. Donc, si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller voir, jeter un coup d'œil. Euh, vous allez voir, c'est euh, toujours des très belles photos, c'est euh, extrêmement touchant. Euh, donc, Andréane, qui euh, se spécialise beaucoup dans le microbiote intestinal, mais aussi, en fait, parce que le microbiote intestinal a un impact du côté du cerveau, a donné des conférences sur euh, la nutrition et le cerveau. Donc, elle avec nous, en fait, pour donner sa conférence le 2 novembre. Le 9 novembre, une autre conférence sur l'alimentation. Vous allez voir, cet automne, il y en a beaucoup. On va parler beaucoup d'alimentation, mais sur toutes sortes de facettes, toutes sortes d'orientations. Euh, donc, ici, maintenant, c'est l'alimentation anti-inflammatoire qui est très, très, très importante pour beaucoup de gens. Euh, donc, les gens qui ont des problèmes euh, d'arthrose, d'arthrite rhumatoïde, toutes les maladies inflammatoires, les maladies inflammatoires de l'intestin, ça va de soi. Les gens qui font beaucoup d'allergies, euh, des douleurs chroniques de différents types. Euh, donc, c'est toutes des gens qui peuvent bénéficier, même le syndrome métabolique, d'une approche d'alimentation anti-inflammatoire. C'est une spécialiste du domaine qui donne des cours en ligne, en fait, de façon permanente à l'année longue. Je vous invite à regarder, taper sur Internet Gabrielle Sanson, vous allez la trouver. Elle a collaboré, entre autres, au livre de euh, Mme Lagacé, L'alimentation anti-inflammatoire et hypotoxique. Donc, ça va être, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous. J'ai vraiment très très hâte au 9 novembre, en fait, pour vous en dire plus. Euh, une autre spécialiste d'alimentation qu'on aime beaucoup au Québec, Isabelle Huot, va être avec nous le 16 novembre pour nous parler d'épicerie 101, l'ABC des étiquettes et listes d'ingrédients. Donc, elle va venir en fait nous nous informer sur qu'est-ce qu'on devrait regarder, qu'est-ce qui est important en fait dans les euh, les listes d'ingrédients, les informations nutritionnelles qu'on a en épicerie, bon, beaucoup de gens qui sont un peu perdus à travers tout ce qui est fourni par les entreprises. Et là, il y, y a même des nouveaux éléments de la réglementation euh, qui s'en viennent, qui ont été, il euh, y en a qui sont rentrés en vigueur, il y en a qui vont probablement changer au cours des prochaines années. Euh, donc, euh, Isabelle, en fait, va euh, nous faire le tour de la question avec nous le 16 novembre. 23 novembre, la semaine suivante, usage thérapeutique des oméga 3. Écoutez, c'est une conférence que j'ai donnée dans un congrès professionnel ce printemps à des pharmaciens. Donc c'est une conférence de très haut niveau au niveau des oméga 3, où ce qu'on va beaucoup plus loin euh, sur les applications. Puis durant laquelle, en fait, je présente l'information récente de la littérature scientifique euh, sur toutes les principales applications. Donc je vais parler du développement du cerveau, les femmes enceintes. Je vais parler de l'hypertension, euh, les lipides sanguins, entre autres les triglycérides. Je vais parler de la dépression, bien sûr, les processus inflammatoires, euh, le fonctionnement du système immunitaire, donc toutes les facettes euh, où l'usage thérapeutique des oméga-3 peut avoir un impact significatif avec toutes les références scientifiques à la pluie. Le 30 novembre, Stress et Insomnie, les solutions naturelles, c'est une conférence qui vous est présentée par moi-même, euh, en fait, euh, euh, par deux associations de fibromyalgie. Euh, donc, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, et l'Association la, de fibromyalgie de Québec, euh, en tant que tel, donc qui vous présente la conférence du 30 novembre. Donc, ça vous, ça vous est offert par deux associations de fibromyalgie, parce que le stress, les problèmes d'insomnie sont aussi extrêmement importants pour les gens en douleur chronique. Les autres, c'est un défi encore plus important, parce que quand on ressent de la douleur, on a tendance à mal dormir, puis le fait de mal dormir augmente la douleur ressentie. Euh, donc, vous allez voir, là, je vais parler de l'ensemble de toutes les facettes naturelles qui peuvent être considérées, en fait, pour aider euh, dans des cas comme ceux-là. Euh, donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Le 7 décembre, les protocoles d'optimisation en santé intégrative, c'est moi qui donne la conférence. Donc, je vais vous parler de comment considérer, en fait, euh, l'ensemble des facettes en santé intégrative qu'on devrait considérer, par exemple, dans les douleurs chroniques, les maladies cardiovasculaires, euh, les troubles de mémoire et de la, la santé cognitive. Donc, les aspects touchant le système immunitaire. Donc, comment considérer l'ensemble des aspects qui pourraient être considérés? Qu'est-ce que vous pouvez optimiser en tant que tel pour avoir une approche très intégrative? Et le 14 décembre, Docteur Évelyne harois donc, nous fait l'honneur d'être avec nous, juste avant Noël, pour nous parler de renverser le diabète de type 2. On va bien sûr, pour la même occasion, vous suggérer de considérer des, les livres de Docteur Évelyne harois comme cadeau, en fait, dans votre famille. Euh, donc, docteur Borduarois est à l'origine de plusieurs livres. Je ne suis pas sûr, en fait, elle est rendue à combien? C'est quelque chose comme euh, cinq ou six, non, je crois, euh, dont euh, un des derniers que j'adore, en fait, qui est son livre sur le jeûne, qui est très, très bien écrit, bien vulgarisé, qui est bien documenté, qui a des belles images. Euh, donc, je vous le conseille, en fait, fortement. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, docteur Evelyne Borduarois va être avec nous euh, le 14 décembre pour parler de « Renverser le diabète de type 2 » et sera disponible pour répondre à vos questions. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'occasion. Vous connaissez des diabétiques, vous connaissez des gens qui ont de la difficulté avec la gestion du glucose. Euh, c'est une médecin qui va vous donner des informations, entre autres, sur les dernières découvertes scientifiques, les dernières approches. En fait, pour permettre de renverser le diabète de type 2. Les dernières informations à connaître. Vous allez voir, ça va être vraiment là, très très à jour au niveau de la science. C'est quelqu'un qui pratique donc dans le domaine, c'est son domaine d'expertise le diabète de type 2 et les problèmes métaboliques. Donc beaucoup en santé intégrative, en médecine fonctionnelle. Donc, euh, Dr Evelyn Bardouvalow qui va terminer la saison avec nous le 14 décembre. Donc, si on regarde, grosso modo, quelques-unes des affiches qui s'en viennent, je vous l'ai mentionné, jeudi prochain, 31 août, c'est euh, Julie Goulet qui va être avec nous. Donc, ici, vous avez les titres complets. Tout à l'heure, j'ai abrégé certains titres. Euh, donc, vous avez le 21 septembre, en fait, Hélène Baribault pour l'intestin irritable. Le 5 octobre, vous avez Dino Alicas, le cholestérol. Euh, vous allez avoir le 19 octobre, comme je vous l'ai mentionné, euh, Joanne Gilbert, qui est docteur en kinésiologie, qui est spécialisée dans le poids corporel. Véronique Bourbeau, notre spécialiste de la ménopause, qui nous revient pour nous parler des approches naturelles. Donc, euh, Andréane Martin, nutritionniste, va nous parler des aliments qui nourrissent le cerveau. Gabriel Sanson va nous parler de l'alimentation anti-inflammatoire le 9 novembre. Mon ami Isabelle Huot va vous parler d'épicerie 101, comment regarder les étiquettes, comment s'y retrouver dans toute l'information qu'on retrouve, qu retrouve en fait dans nos épiceries. Et le 30 novembre, je vous parle du stress et de l'insomnie, les solutions naturelles avec, l euh, avec les deux associations de fibromyalgie. Donc en conclusion, en fait avant de me permettre de prendre euh, vos questions, donc euh, cet automne, c'est 16 conférences gratuites sur des sujets euh, variés avec des rediffusions qui vont être payantes dans certains cas pour nous aider à financer les activités, euh, des nouveaux contenus téléchargeables donc euh, qui vont être sur la plateforme Idone Technologie, l'abonnement annuel qui est possible, je vous l'ai dit à 199,99 pour avoir accès à Plus de 30 conférences, en plus de toutes les conférences qu'on va ajouter au cours de la prochaine année. Donc, vous y avez accès via le site Internet de Vitoli, hein, vitoli.ca. Comme je l'ai mentionné au début, vous descendez au bas du site Internet et le troisième euh, item que vous avez à droite, en fait, euh, à l'extrême droite, c'est les conférences santé. En cliquant dessus, ça vous amène sur la plateforme Eden Technologies. Et vous avez le choix aussi d'acheter simplement les conférences que vous voudriez visionner. Il y en a qui sont gratuites, puis il y en a qui sont disponibles à 29,99$. Vitoli, je vous le rappelle, c'est des produits fabriqués au Québec. J'en suis extrêmement fier. On, on est, euh, est fabriqué dans une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique, qui est même approuvée par la FDA américaine. Donc, il y a très peu d'usines de production des produits de santé naturelle qui peuvent aussi produire même des médicaments en tant que tels sur place. Donc, c'est les plus hauts niveaux de standard. Donc, c'est fabriqué au Québec. Je vous invite bien sûr à, 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 à considérer, euh, d'encourager nos entreprises québécoises. Vous savez que c'est extrêmement important. Regardez comme il faut, les tablettes, entre autres en pharmacie, vous allez voir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de produits qui sont fabriqués au Québec. Euh, nos oméga-3, la vitamine D3 et les probiotiques sont sous la marque base B A S E, je le répète en fait parce que c'est possible que vous ne trouviez pas les produits au même endroit que les produits Vitoli dans vos magasins ou vos pharmacies. Donc, on vient d'entrer, bien sûr, dans les magasins Avril avec toute la gamme Vitoli et la gamme base. Donc, je vous invite à visiter vos magasins Avril. Ça va être facile de trouver, en fait, tous les produits que vous voulez. Et je vous invite aussi à visiter le blog de Vitoli pour savoir quand. Prendre vos produits Vitali. Donc, on a beaucoup de questions. On a généré un texte tout simplement sur le blog de Vitali qui vous permet de savoir quand est-ce que vous devriez prendre vos produits vitaly au base dans la journée pour optimiser leurs bénéfices. Euh, donc, c'est facile à consulter. Donc, sur le blog de Vitali à vitali.ca. Donc, ceci étant dit, je vais arrêter le partage tout simplement pour me permettre de euh, prendre vos questions. Euh, donc, on a des gens qui se sont ajoutés, bien sûr, pendant la conférence, donc euh, de Ottawa, de la Pocatière. Bonsoir tout le monde. Euh, merci pour les bons commentaires, euh, c'est génial, j'apprécie. Ah, on a, on a Lucille, Lucille qui connaît déjà Gabriel Sanson. effectivement, très dynamique, très, très apprécié. Euh... En fait, on a quelqu'un qui nous dit aussi que les produits bases ne sont pas que les produits Vitoli, en fait, euh, en pharmacie. Effectivement, c'est rare qu'ils sont avec. Donc, malheureusement, les pharmacies ont traité <laughs> les produits, C'est deux marques de commerce différentes, ils les ont mis à deux places différentes. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, on n'a pas le compte de contrôle là-dessus. Euh, donc, si vous voulez, je vais euh, prendre des questions. J'ai des questions par rapport à la santé des eaux. Euh, donc, oui, j'en ai eu beaucoup cette semaine par rapport à Santé des Eaux. Vitaly, Santé des Eaux, qui n'est pas disponible actuellement. On, ça fait déjà longtemps qu'on constate qu de reformuler. Euh, là, on réfléchit parce que c'est compliqué d'aller vers la reformulation. Et c'est un produit excellent de toute façon qui aurait probablement mérité d'être pris euh, en mangeant, tout simplement, même pour améliorer les bénéfices. Fait que ça se peut qu'on le ramène euh, au cours des prochaines semaines. On est en réflexion sur l'idée de le ramener tout simplement comme il y était. Euh, comme vous appréciez déjà, en fait, versus en fait le reformuler, parce que c'est compliqué actuellement. La, la question de la reformulation est très, très complexe. Doit-on s'inscrire pour chaque conférence? Euh, Est-ce que je vais recevoir un courriel pour s'inscrire? En fait, dans le courriel que vous avez reçu euh, de la conférence de ce soir, vous avez la liste, le courriel de confirmation de la conférence de ce soir, vous avez la liste de toutes les conférences à aller jusqu'au 14 décembre. Malheureusement, on n'a pas encore de solution pour vous permettre de vous inscrire à un seul endroit puis d'être inscrit automatiquement à toutes les conférences. Donc, vous devez le faire vous-même. Euh, on va le regarder, par exemple, au courant de l'automne. Il faut que je parle avec les gens de Zoom pour voir si on n'aurait pas une solution hein, qui nous permettrait de le faire. Mais actuellement, on ne l'a pas, euh, malheureusement. Donc, euh, oui, vous devez vous abonner en fait, aux conférences en tant que telles, toutes les conférences que vous voulez assister. Puis, à toutes les fois, vous allez recevoir un courriel de confirmation et un courriel de rappel, même la semaine auparavant. <laughs> Donc, euh, donc j'ai répondu déjà à quelques questions. Euh, à, à, pour, pour les questions, allez plus dans la boîte à questions-réponses, c'est plus facile pour moi, s'il vous plaît. Mais euh, je peux quand même répondre à, ici. J'ai marqué j'ai commandé la vitamine D3 à la pharmacie Jean Coutu, euh, 7 gouttes chaque lundi. En fait, ce que vous pouvez faire même pour la vitamine D3, ce qu'il faut savoir, c'est que la dose recommandée par Santé Canada est d'une goutte par jour. Que vous pouvez prendre à tous les jours, c'est encore mieux. Une fois par semaine, c'est tout à fait acceptable. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dose que vous devriez prendre habituellement, euh, c'est 50 unités par kilogramme de votre poids pour être sûr d'être dans des bons niveaux sanguins de vitamine D. Euh, donc, c'est la dose recommandée par mon ami Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien, qui est très connu en fait ici au Québec. Euh, donc 50 unités de vitamine D par kilogramme de votre poids. Vous pouvez le calculer puis l'ajuster très facilement en utilisant justement euh, base vitamine D3. Étant donné que c'est un produit qui est liquide que vous mettez à la goutte en fait dans une cuillère tout simplement, vous pouvez ajuster la dose que vous pouvez prendre euh, pour la prendre soit à tous les jours ou soit encore une fois par semaine tout simplement c'est aussi acceptable. <coughs> Et Vitoli Articulation en mangeant. Oui, tout à fait, Vitoli Articulation, je recommande de le prendre en mangeant puis même au souper de préférence en tant que tel. Euh, la raison du souper, tout simplement, c'est que c'est quand même un produit qui a un effet de dose, donc qui va être plus efficace encore dans les heures qui vont suivre, mais il va agir sur une période d'une semaine au moins. Euh, donc, il ne faut pas penser que parce qu'on le prend là, ça va être beaucoup plus efficace au cours des prochaines heures, qu'on va avoir moins de douleur pendant le jour. Moi, je préfère recommander de le prendre le soir au souper parce que justement, c'est plus facile de baisser l'inflammation encore plus durant la nuit, les douleurs, de faire améliorer votre sommeil. Et normalement, le lendemain, en fait, ça va être encore tout aussi efficace. Donc, c'est ce que je préfère recommander, c'est de le prendre au souper en mangeant, mais vous pourriez le prendre au cours d'un autre, des autres repas. Vous avez mis l'unité de vitamine B dans une goutte de base vitamine D3 en tant que tel, donc vous avez 1000 l'unité dans une goutte, fait vous pouvez calculer le nombre de gouttes par rapport à votre poids que ça va donner en fait par, par rapport au nombre d'unités que vous avez à prendre par jour, 50 unités par kilogramme de votre poids et calculer le nombre de gouttes, donc soit les prendre à chaque jour, soit les prendre une fois par semaine, tout simplement, c'est tout à fait acceptable. Bien vieillir le soir au coucher, oui, tout à fait, en fait, Vitali bien vieillir est très particulier, hein. il n'y a rien d'équivalent dans le marché, c'est ce qu'on appelle des gyrosuppresseurs, Molécules qui vont ralentir votre vieillissement, hein, tout simplement, hein, qui contiennent entre autres les polyphénols d'olive qui sont uniques à la gamme Vitoli, vous ne trouvez ça, pas, pas ça nulle part ailleurs, et ça stimule vos mécanismes de réparation cellulaire. Donc, la raison pour laquelle on conseille de le prendre le soir, tout simplement, Vitali bien vieillir, c'est que le corps humain va réparer durant la nuit. On est mieux d'essayer de pousser les mécanismes de réparation durant la nuit, ça va être beaucoup plus efficace que si on essaie tout simplement de réparer pendant le jour. Donc, techniquement, on pourrait le prendre le jour aussi, mais bon, ça fait beaucoup plus de sens d'essayer de pousser les mécanismes de réparation plus loin euh, au courant de la nuit. Si je regarde maintenant les boîtes à questions-réponses, quand on paie pour l'année pour avoir les conférences, par la suite, on peut les regarder sur n'importe quel ordinateur. Oui, tout à... oui, simplement. Vous, vous créez un compte en tant que tel, puis c'est le compte qui a payé. Donc, techniquement, oui, le compte peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur. et ne reconnaîtra pas l'ordinateur. Il va reconnaître votre compte avec votre mot de passe, tout simplement. Les Oméga 3, y a-t-il un moment de la journée qui serait le mieux? Non. En tant que tel, les Oméga 3, juste savoir dans le fond que euh, vous devriez les prendre toujours en mangeant. Donc, moi, j'avais tendance à dire au milieu d'un repas, mon ami Jean-Yves nous dit au début, <laughs> avant de manger. Donc, prenez-les avant de manger au milieu du repas, mais avec un repas en tant que tel, on ne prend jamais les oméga-3 dans des périodes de jeûne en passant, parce que sinon, le corps humain aura tendance à les utiliser comme source d'énergie et ce n'est pas ce que vous voulez. Les oméga-3, ce n'est pas de l'énergie. C'est des composantes des membranes de vos cellules ou encore des molécules qui vont servir à produire des molécules anti-inflammatoires. Donc, vous voulez soit les, les utiliser pour réduire de l'inflammation ou soit les utiliser pour améliorer votre fonctionnement cellulaire en les joignant à vos membranes cellulaires. Vous ne voulez pas vous en servir comme source d'énergie. Il faut absolument éviter de les prendre euh, dans des périodes de jeûne sans avoir rien mangé, euh, tout simplement. Donc, prenez-les soit au début ou au milieu d'un repas. Oui, la dose des euh, oméga 3 de base, donc base oméga 3, vous avez écrit Vitoli, là, bien sûr c'est la même compagnie, c'est nous qui les faisons, sont de quatre gélules par jour. En fait, ça aussi, je peux vous permettre de calculer la dose qui euh, serait optimale pour vous. Il n'y a pas de risque à prendre des doses, parce que là, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque en tant que tel euh, de prendre une dose de 3560 mg par jour? Il faut savoir que pour les bénéfices, comme par exemple pour la pression artérielle ou la réduction des triglycérides sanguins, ça prend des doses de 3000 mg et plus pour avoir le maximum du bénéfice santé. Donc, ça prend des grosses doses en tant que tel d'oméga-3 pour avoir les meilleurs bénéfices cliniques en tant que telle des oméga-3. Ceci étant dit, ça dépend bien sûr du poids corporel de la personne. Et si vous voulez le calculer encore là, là aussi, on a une donnée qui nous vient de mon ami Jean-Yves Dionne qui est de 40 mg par kilogramme de votre poids. Donc, là, tout à l'heure, j'ai parlé de la vitamine D3. Elle, c'est 50 unités par kilo. Les oméga 3, c'est 40 mg par kilo que vous devez prendre. Et là, pas 40 mg d'huile, 40 mg d'oméga 3. Donc, la quantité d'oméga 3 en tant que telle que vous retrouvez dans les gelules, et non pas la quantité d'huile totale. Faites attention, c'est deux données différentes. Vous les avez sur les étiquettes. Donc, le commentaire ici était basé, entre autres, sur un des bases enrichis qui atteint 3560 mg par jour. Donc, un adulte de mon poids, par exemple, à moi, là, euh, doit prendre une dose aussi importante que ça, justement, euh, entre autres, pour bénéficier de l'ensemble de la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Sachez une chose si les quatre gélules vous incommodent un peu, vous pouvez les répartir dans la journée. Vous n'êtes pas obligé de les prendre dans le même repas. Moi, je les prends toutes dans le même repas. Il n'y a pas de problème à le faire si vous êtes capable. Techniquement, ça équivaut à quoi? Donc, si vous avez peur, en fait, que ça fasse une trop grosse dose, 3500 mg en passant, là, si vous aimez le saumon ou les poissons riches en gras, c'est l'équivalent d'un gros repas de poissons riches en gras. Donc, si vous aimez le saumon, puis comme moi, vous prenez des grosses portions de saumon parce que vous adorez ça, vous allez vous taper un repas justement à 3500, 4000 mg d'oméga-3. Donc, il n'y a pas de problème à le faire en tant que tel. Il n'y a pas de, de dose maximale en tant que tel à risque. On sait en fait que nos Inuits du Grand Nord prennent 4000 mg et plus par jour, parce qu'ils consomment beaucoup de poissons riches en oméga-3, sans aucune problématique de santé reliée. La seule chose à faire attention, c'est que les gens qui prenaient des anticoagulants, euh, là, on a une, une restriction, en fait, une contre-indication à faire attention à la quantité d'oméga-3 que vous prenez, euh, qui est habituellement, en fait, on, on dit qu'il y euh, a qu contre-indication à plus de 4000 mg par jour d'oméga 3, donc qui est une dose extrêmement élevée. En tant que tel. Moi, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est les Oméga 3. Euh, les journées que vous mangez du poisson gras, ne prenez pas les suppléments. Vous allez avoir pris la dose avec vos poissons gras. Donc, que ce soit donc, du hareng, euh, euh, du saumon euh, ou encore, par exemple, des sardines, euh, quand vous mangez des poissons gras en tant que tel, vous n'avez pas besoin, cette journée-là, de prendre de, de, de suppléments. Vous avez pris toute la dose dans l'alimentation. Vitamine D, enfant, à partir de quel âge? Écoutez, on devrait de la même façon que les adultes le calculer puis les en donner, tout simplement. La vitamine D est tellement importante en santé humaine qu'il ne devrait pas avoir d'âge minimal en tant que. Euh, de, de prise, en fait, de vitamine D. C'est juste une question de dosage. Vous pourriez tout simplement le calculer de la même façon que je vous l'ai conseillé. Euh, 50 unités par kilogramme de poids corporel, les enfants aussi, tout simplement. Où voit-on les conférences à venir exactement si je veux s'inscrire uniquement à une ou à l'autre? La meilleure façon, ben vous avez mon site Internet à moi, e-simon.com. En fait, dans la section des conférences, vous allez avoir la liste avec un calendrier. Ça, c'est assez facile. Vous avez une page Facebook. Merci de poser la question. En passant, j'ai oublié d'en parler. Vous avez une page Facebook maintenant qui s'appelle Conférences, avec un S, Vitoli. Conférences Vitoli. C'est juste des conférences. Et, et, et dans les pages Facebook, que ce soit la, conf... la page Facebook de Conférence Vitoli, ma page en fait professionnelle, les pages de Vitoli, vous avez toujours un onglet événements dans les pages Facebook qui vous donne accès à tous les événements à venir. Mais une affaire facile, vraiment très facile, c'est que la conférence de ce soir, vous allez même recevoir un courriel de suivi sur la conférence de ce soir avec toute la liste des conférences à venir. Donc, ils sont toutes là, en fait, listées avec tous les titres. Vous pouvez choisir ceux-là que vous voulez. Euh, donc, soit dans le courriel de confirmation de la conférence de ce soir ou dans le courriel de suivi que vous allez rejoindre, recevoir demain. <coughs> probiotique, que c'est mieux le matin, dîner ou soir? Euh, techniquement, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, personnellement, si vous voulez donc mon opinion, là, vous pouvez le prendre n'importe quand le probiotique. Je conseille aux gens de le prendre à, au milieu d'un repas habituellement. Euh, moi, personnellement, j'aime mieux le prendre le soir. Pourquoi? Parce que durant la nuit, notre intestin tombe au ralenti, en fait, et va pratiquement s'arrêter complètement. Donc, ça va donner le temps à nos probiotiques, nos bactéries, euh, de travailler très fort, entre autres, euh, à améliorer euh, la composition du microbiote intestinal pendant la nuit, réduire les processus inflammatoires aussi. Ça peut être une très, très bonne idée, en fait, de le prendre le soir au souper, euh, tout simplement. Moi, c'est ce que je suis tenté de faire, mais honnêtement, N'importe lequel des repas, au milieu du repas, ça va faire la fin. Donc, oui, une autre question sur les probiotiques. Euh, Vital articulation a-t-il un calcul selon le poids ou selon une capsule? Ah, euh, ouais, c'est excellent, ça. En fait, normalement, oui, il y en aurait une, mais non, on ne l'a pas. <laughs> Ce que je veux dire par là, c'est que, que ça va de soi pour une question de, de pharmaco. Euh, cinétique, normalement, on devrait avoir une relation avec le poids corporel. Euh, sauf que les études cliniques ont été faites chez des adultes, tout simplement, avec, en ayant des adultes de poids moyen, tu sais, bon, rien d'anormal, euh, en fait, euh, pour que ça s'applique à la population en général, euh, sans nécessairement faire de la dose réponse en fonction du poids. Donc, dans le cas de, de l'ingrédient principal qu'on utilise dans la articulation, il y a eu de la dose réponse de fait, mais pour la pour un adulte moyen, et, et, et non pas pour n'importe quel type de poids. Donc, on sait que c'est le dosage pour un adulte moyen. On sait que, techniquement qu'un adulte plus pesant pourrait peut-être avoir un enfant d un peu plus, un adulte moins pesant un enfant un peu moins, mais on n'a pas le chiffre en tant que tel, puis donc la possibilité de faire une recommandation là-dessus. Euh, ce que je vous dirais, en fait, pour vite l'articulation, si vous voulez vous assurer de bons bénéfices, là, euh, deux choses. Les oméga-3, parce que articulation, c'est l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant. Pour vous le dire encore une fois, il n'y a rien, 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 qui peut permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire aussi puissant que articulation. Rien du tout, en fait, dans les approches naturelles. Sauf que pour avoir l'impact anti-inflammatoire, il faut avoir suffisamment d'oméga-3. Le corps produit une molécules anti-inflammatoires à partir des oméga-3. Donc, si vous voulez être sûr, mettez toutes les charges de votre côté d'avoir des bons résultats Prenez aussi un des oméga 3 de base. Donc, vous pouvez prendre soit le standard, soit les enrichis. La différence, c'est une question de dosage. Dans ce cas-là, euh, tous les produits vont avoir un impact sur l'inflammation. C'est juste que normalement, on devrait calculer le dosage qui nous convient en considérant 40 mg d'oméga 3 par kilogramme de notre poids par jour. Euh, donc, certaines personnes vont, être, vont pouvoir prendre tout simplement juste le standard. Ça va être suffisant pour eux. D'autres personnes vont devoir prendre des enrichis pour avoir une dose plus importante. Et l'autre élément, donc les oméga-3, l'autre élément à savoir aussi pour les problèmes d'articulation ou inflammatoires ou de doubleur chronique, c'est le sommeil. Le sommeil et les antioxydants. Donc faites attention à votre sommeil. Si vous dormez bien, que c'est un sommeil très profond, vous ne vous réveillez pas à toutes les deux heures dans la nuit, que vous êtes capable de faire une nuit complète sans problème, garde, tant mieux. Euh, si vous avez besoin de support pour le sommeil, on a Vitali-sommeil et ou oh, Vitali-stress-anxiété. peuvent être utilisés pour le sommeil. Donc, Vitali-sommeil toujours avant de dormir. Vitali-stress-anxiété mmh. peut être pris durant la nuit pour vous permettre de faire une nuit complète, donc de compléter une nuit tout simplement, c'est très efficace. Mmh. Euh, et, 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 et côté antioxydant, en fait, Vitali-bien vieillir. Donc, c'est sûr que le package parfait pour quelqu'un qui a des gros problèmes de douleurs chroniques, de problèmes inflammatoires, c'est Vitali-articulation. Avec les bases Oméga 3, l'amélioration de son sommeil et la réduction de l'oxydation en utilisant Vitoli Bien Ce n'est pas toujours nécessaire de faire les quatre. C'est juste que pour ceux qui veulent pousser les bénéfices plus loin, qui restent peut-être un peu de douleur, il y en a qu'avec Vitoli Articulation, tout simplement, tout va disparaître. Allez-y graduellement, vous allez voir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Je suis arrivé en retard, je suis utilisatrice de vos produits. Y a-t-il une rediffusion gratuite? Oui, le live de ce soir va être diffusé gratuitement sur la plateforme Eden Technologies. Donc, vous allez pouvoir le réécouter sans problème en passant. Normalement, ça nous prend à peu près une semaine l'ajouter pour des questions techniques, tout simplement, parce qu'il faut faire un peu de montage vidéo, là, mettre l'image du début, couper une petite section. Donc, d'ici une semaine environ, on devrait être disponible sur la plateforme Eden Technologies. Euh, en version gratuite. Y a-t-il un moment idéal pour prendre la vitamine D? Euh, non, pas vraiment en tant que tel. Vous savez, la vitamine D, ça s'absorbe mieux avec du gras, mais dans euh, base vitamine D, dans du gras déjà, vous n'avez pas besoin de la prendre nécessairement en mangeant. Vous pouvez la prendre quand vous voulez. Tandis que les autres types de vitamine D, quand ils ne sont pas déjà dans des huiles, vous devez les prendre en mangeant qu'un repas qui contient du gras pour améliorer la dissorption. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez apprendre prendre n'importe quand euh, en tant que tel. sûr que biologiquement parlant, ça fait plus du sens de le prendre le jour que de le prendre tard le soir. Hein? Euh, parce que le corps est habitué à ce que la quantité de vitamine D augmente pendant la journée. On avait parlé que le cardiovasculaire n'était pas disponible en pharmacie, en tout cas dans mon coin. Est-ce qu'il va devenir plus facilement accessible? En fait, il faut savoir que euh, c'est parce que Vitaly Cardiovasculaire ne fait pas partie de l'offre régulière euh, des pharmacies. Ça fait que c'est un petit peu plus compliqué. Euh, à toutes les saisons, on propose aux bannières de rentrer d'autres produits, d'ajouter certains produits, blablabla. Bla, bla. euh, et c'est à leur choix. Donc, ils vont toujours. Actuellement, ça va très bien, ils augmentent toujours notre espace tablette, mais ils choisissent les produits qu'ils veulent. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont choisir le cardiovasculaire en tant que tel. Une chose est sûre, c'est que si votre pharmacie offre un très bon service, c'est possible qu'elle vous offre tout simplement d'en garder sur place pour vous. Il y en a beaucoup des pharmacies qui le font. N'hésitez pas, gênez-vous pas pour le dire. En fait, qu'il y a des pharmacies qui le font pour d'autres consommateurs de garder les produits qu'ils veulent avoir sur place. Euh, donc, ils peuvent vous commander euh, Vitali Cardiovasculaire via le distributeur Distribution Pharma Plus. Je vais vous l'écrire dans la boîte à discussion. Là. Mais vous avez aussi un texte sur le blog de Vitoli sur le sujet. Donc, quand il y a des produits que vous ne trouvez pas, surtout en pharmacie, vous pouvez demander aux pharmacies de le commander via Distribution Pharma Plus. C'est un distributeur qui a tous nos produits au complet. Donc, lui, il est capable de tout avoir en tant que tel. Euh, sinon, ben, pour ceux qui ont des, euh, euh, des Avril dans leur région, les supermarchés Avril ont tous les produits Vitoli et tous les produits bases. Donc, distribution, pharma, Plus, comme ceci. J'ai pris Vitoli Articulation pendant trois mois, très efficace pour les douleurs. Par contre, j'ai dû arrêter. Est-ce possible que cela provoque de la diarrhée? Euh, oui, euh, en passant, c'est toujours possible. Les produits Vitoli ont des impacts sur le microbiote intestinal ils vont améliorer la composition du microbiote. Donc, normalement, vous allez vous adapter, puis ça va disparaître, puis vous allez avoir tout simplement une flore, une microbiote intestinale beaucoup plus résistant et puissant. Donc, c'est un bénéfice. Je n'en parle pas souvent de ça, là, en passant, mais les polyphénols d'olive du complexe Provitol qu'on trouve dans tous les produits Vitoli ont un très gros impact sur une microbiote intestinale. Fait que ça se peut initialement que, peu importe le produit, que ça cause des inconforts en tant que tel pendant une certaine période de temps. Quand ça arrive, moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de continuer à le prendre, mais de sauter une journée sur deux. Surtout comme, par exemple, dans le cas de vitale articulation. C'est vitale articulation a deux raisons euh, de causer des problèmes de ce type-là. C'est qu'il va améliorer la digestion en, oubli en augmentant aussi la production des sels biliaires. Euh, donc, c'est quelque chose de bénéfique qui va améliorer l'absorption d'un paquet de vitamines, d'un paquet de choses. Euh, donc, qui est intéressant, c'est juste que ça peut causer des inconforts initialement. Euh, donc, si c'est le cas, pour vous permettre de vous adapter, vous donner du temps, y aller plus mollo, euh, Sauter une journée sur deux, tout simplement, jusqu'au temps que ça se remette en place. Puis une fois que tout est revenu à la normale, que vous n'avez plus de diarrhée, vous pouvez le réintégrer à, à tous les jours, y aller graduellement. Normalement, vous allez voir que vous allez vous adapter, tout simplement. Et oui, en fait, bien sûr, Vitoli cardiovasculaire aide beaucoup pour l'hypertension. Merci, Julie, de le mentionner. Puis bon, vous pouvez toujours, c'est toujours la solution de le commander sur le site Internet de Vitoli. Euh, à vitoli.ca. Merci, Madame Côté. Donc, pour moi, ce sont les meilleurs Oméga-3 que j'ai pris dans ma vie, facile à digérer. Merci, c'est gentil. En fait, il faut savoir que les Oméga-3 base, là, vous avez deux choses. Hein. De un, premièrement, c'est les Oméga-3 que vous allez trouver dans le marché qui sont au plus faible coût de milligramme d'Oméga-3 par dollar. Je vous garantis qu'on bat tout le monde. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde dans le marché, on bat tout le monde sans exception en, en, en oméga-3 par dollar, et par la même occasion, on a le plus haut niveau de standard de l'industrie avec la certification IFOS, qui coûte très cher. Donc, en plus d'amener le meilleur niveau de qualité, on est moins cher dans le marché euh, par, de, par milligramme par dollar d'oméga-3. Donc, c'est certain qu'il y a des produits d'oméga-3 qui sont moins chers que nous, mais vous n'aurez pas les dosage nécessaire pour avoir les bénéfices de santé. Vous ne voulez pas prendre des oméga-3 pour rien, là. Il y a même des produits, on voit des produits d'oméga-3 extra forts, en fait, qu'on va trouver dans certains magasins qui vont recommander de prendre une à trois capsules, une à trois gélules par jour, puis même en prenant les trois, même si c'est marqué extra fort, vous n'aurez pas assez par rapport à ce que je vous ai mentionné tantôt, 40 mg par kilogramme de votre poids en tant que tel. Euh, donc, regardez comme il faut, en fait, la concentration de vos produits dans le marché. Là, on bat tout le monde. Quand on a déjà le clair naturellement, faut-il faire attention avec certains suppléments Vitoli? Non, rien de particulier. On a, euh, euh, en fait, il y a deux grands groupes de produits qui ont des impacts sur la, la fluidité du sang. On a euh, Vitali Mémoire et Santé Cognitive qui va euh, augmenter la fluidité du sang. Donc, ça va améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain. Normalement, tant qu'on ne prend pas d'anticoagulants, ça n'a pas d'impact, c'est pas grave, en fait, pour personne. Mais c'est contre-indiqué que les anticoagulants, en fait, Vitali Mémoire et Santé Cognitive, de l'autre côté, il y a les Oméga 3 qui ont un impact sur, à éclaircir le sang, mais surtout à très forte dose. Donc, si c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement, euh, vous pourriez toujours réduire la dose, tout simplement, à quelque chose comme 2000 mg par jour, ou prendre juste deux gélules au lieu de quatre. C'est sûr que c'est préférable de prendre toute la dose d'avoir plus de bénéfices santé, mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, c'est toujours possible de faire. Alors, lorsque je jeûne, je ne prends pas mes Oméga 3. Non, effectivement, on ne prend pas les Oméga 3 en jeûnant, on le prend dans le repas qui suit. Euh, mais si je fais un jeûne intermittent 18-6 chaque jour, je les prends quand Au repas. Au repas qui suit. On ne les prend jamais pendant la période de jeûne. On les prend toujours en mangeant. Donc, les oméga 3. Est-ce que les oméga 3 peuvent faire baisser la pression artérielle Oui. Quand je fais de l'hypertension, je constate que ma pression est plutôt basse. De l'hypertension De l'hypotension Je ne fais. Ah, je ne fais pas. OK. Je constate que. Ma... Oui, ça peut faire baisser un peu la pression artérielle à très forte dose, en fait, les oméga-3. Mais normalement, c'est des, des bénéfices qu'on appelle normotenseurs. Autrement dit, les oméga-3 pourraient aider un peu même à des gens qui ont tendance à avoir la pression basse. Ça va aider à la baisser pour ceux qui sont trop haut en tant que tel, mais ça ne devrait pas avoir un impact à réduire de beaucoup la pression chez, qui, chez des gens pour qui la pression est déjà basse. Assurez-vous, hein, dans des cas comme ça, d'avoir suffisamment de sodium, de sel. On a tellement... En fait, malheureusement, diaboliser le sel. Qu'il y a des gens qui manquent de sodium. En fait, c'est la raison pour laquelle la pression artérielle a tendance à se maintenir trop basse. Euh, donc, dans un cas, surtout de pression artérielle basse, n'hésitez pas justement à ajouter du sel en fait dans vos aliments euh, pour vous aider en passant. Ah, Justine, euh, merci. Euh, moi aussi, je confirme que les Oméga sont vraiment au top. À ce jour, je ne pouvais jamais en prendre sans avoir des problèmes intestinaux au bout de quelques jours. À ce jour, aucun problème avec ceux de base. Donc, merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce que le probiotique sera éventuellement disponible dans les différentes bannières de pharmacie? Écoutez, probablement, en tant que tel, le probiotique, on a eu tellement de bons commentaires. C'est un produit qui a été terriblement apprécié. On en a manqué. Euh, donc, cet automne, on rencontre toutes les bannières de pharmacie encore pour voir avec elles. Euh, les produits qu'elles vont entrer, on va lui suggérer justement de rentrer le, le, le probiotique, effectivement, mais n'hésitez pas à le demander, ça peut tout simplement aider. Euh, sachez en fait que toutes les pharmacies peuvent l'avoir, le probiotique, en hein, le demandant chez Distribution Pharma Plus. Euh, donc, demandez-le, si la personne sur le plancher, ça ne lui dit rien, demandez à parler à la gérante en tant que telle. Toutes les pharmacies ont un compte chez Distribution Pharma Plus, ils vont être capables de le commander et de l'avoir sur place pour vous. Donc, c'est la meilleure façon en attendant. Et c'est sûr que les pharmacies qui vont, qui voient euh, qu'ils s'en vend, même s'ils ne l'avaient pas au planogramme, ben ça va aider beaucoup normalement la bannière à décider de les rentrer tout simplement par les offrir partout. Euh, donc, c'est une bonne façon de procéder. Sinon, vous pouvez bien sûr les acheter en ligne à vitali.ca. Il y a une date de péremption sur la vitamine D. Est-ce que je peux prendre de produits passés la date de péremption sans danger? Euh, oui, écoutez, la vitamine D n'est pas quelque chose de bien inquiétant. En plus qu'elle est dans l'huile, c'est très stable. Donc, on met une, une date de péremption de deux ans pour une question de fraîcheur, tout simplement, mais euh, non, il n'y a pas de, de risque en fait associé euh, en tant que tel à la date de péremption sur la, la, la bouteille de vitamine D. Quand c'est des produits liquides, là, quand on parle de base vitamine D. Quand c'est des produits de vitamine D qui sont en capsule, en fait, en, en comprimé, là, je ferai peut-être attention parce qu'ils peuvent prendre l'humidité. Euh, malheureusement, puis l'humidité, euh, c'est jamais fait bon. On ne fait jamais bon ménage en fait avec la conservation des suppléments. On a une question de Madame euh, dame sur euh, euh, des produits concernant les brûlements d'estomac, des impacts négatifs sur les produits Vitoli en général. Euh, écoutez. Malheureusement, les produits pour les brûlements d'estomac peuvent être utiles à court terme, sont toujours déconseillés à long terme parce qu'ils vont réduire l'absorption de certaines molécules et de certains médicaments. Euh, donc, c'est dur de savoir s'il y a des produits qui pourraient euh, malheureusement être plus affectés que d'autres en tant que tels, mais on sait entre autres que la vitamine B12 nécessite le pH bas de l'estomac pour être absorbée. Donc, les gens qui prennent des médicaments pour les brûlements d'estomac n'absorbent plus la vitamine B12, malheureusement, ou très peu. Euh, donc, ça peut devenir problématique. <coughs> donc, on a de la vitamine B12 dans la cardiovasculaire, puis dans la vitamine mémoire et santé cognitive. Euh, pour savoir pour les autres produits vitaliens, je ne m'inquiéterais pas trop en tant que tel, euh, mais on ne peut jamais être sûr et certain que toutes les molécules présentes vont toutes être absorbées de la même façon. Parce qu'on sait, comme par exemple, que Vitellis stress anxiété commence à être absorbée au niveau de l'estomac, parce que ça va agir en 30 à 40 minutes, c'est très rapide. Euh, donc, est-ce que si on change le pH de l'estomac, ça va être absorbé quand même? Je ne sais pas. Euh, J'aurais tendance à penser que oui, en tant que tel, ce n'est pas nécessairement un mécanisme comme la vitamine B12, mais on ne peut pas être sûr que toutes les molécules vont nécessairement être absorbées. Mais en faites attention à la question des, euh, des antiacides pour l'estomac. Ce ne pas des médicaments qu'on devrait prendre à long terme. Quelle est, quelle est la dose de sel à prendre par jour? Bon, euh, oh, écoutez. <laughs> si vous faites de l'hypotension, de toute façon, vous ne pouvez pas trop en prendre en tant que tel de sel. Vous allez excréter surplus par l'urine. Le sel, est à faire un peu attention chez des gens qui font de l'hypertension, mais il faut savoir que dans des cas d'hypertension, le sel, il y a juste 20 à 30 de la population, que ça a réellement un impact. Donc 70 de la population, le sel, ça ne change rien. Puis le sel, on est à risque d'en manquer si on n'en mange pas pas en tout. Donc, il faut faire quand même attention au risque d'en manquer. Puis il y a des gens hypotendus que ça peut être pas cause problématique de sel. Mais vous n'avez pas à avoir peur de trop en mettre. Si vous faites de l'hypotension, mettez-en tout simplement. Le probiotique se conserve au frigo. En fait, le probiotique, la date de péremption sur la boîte est, est pensée en fonction de le garder à température ambiante, à température de la pièce. Sauf que, euh, techniquement, la viabilité va être meilleure, la qualité du produit va se maintenir plus longtemps si vous le gardez au réfrigérateur. Donc, en magasin, bon, dans les avril, vous allez le trouver dans le réfrigérateur. Euh, dans la majorité des magasins où les pharmacies vont être en tablette, moi, ce que je conseille de faire, c'est rendu à la maison, mettez-les dans le frigo. Même chose que les Oméga 3, mettez-les dans le frigo, même s'ils sont sur la tablette. Surtout que les Oméga 3, c'est plus une question de risque d'oxydation euh, en présence d'humidité. Donc, si votre, une fois que vous avez ouvert le pot, l'humidité de la pièce rentre à l'intérieur, vous risquez d'avoir de l'oxydation des lipides, vous êtes mieux de le garder au réfrigérateur. Ah, les prix. Euh, les probiotiques, je ne connais pas. Les prébiotiques et probiotiques, pouvez-vous m'éclairer? Ah, ouais. En fait, vous avez une conférence complète sur euh, la plateforme IDON Technologies. Puis, regardez bien pendant que, vous en, pendant que je vous en parle, je vais vous copier le lien de la plateforme Idone Technologies dans la boîte à, à discussion euh, ici. Donc, euh, sur le site internet de Vitoli, à vitoli.ca, vous descendez complètement en bas, l'icône à droite. Ça va être conférence santé. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir accès donc, à la plateforme IDON Technologies. Sur la plateforme, vous allez trouver une conférence sur les probiotiques qui va tout vous expliquer le pourquoi du quoi des probiotiques, puis qu'est-ce que c'est qu'un prébiotique. Techniquement, quand on mange bien, qu'on n'a pas de problème de santé particulier, on n'a pas besoin des prébiotiques. Moi, j'aime mieux conseiller aux gens de manger beaucoup de légumes pour avoir suffisamment de fibres, de manger des grains entiers, de manger entre autres des noix. Vous allez en avoir suffisamment des fibres. Vous n'allez pas besoin, avoir besoin de prendre des prébiotiques. De façon séparée. Donc, les prébiotiques sont des fibres, tout simplement, euh, des sucres très complexes qu'on ne digère pas, mais que nos bactéries vont digérer, vont être capables de s'en alimenter et donc qui vont être bénéfiques pour notre microbiote intestinal. On en trouve beaucoup dans les légumes en tant que tels. Il y a certains légumes qui sont plus riches que d'autres euh, en prébiotiques, euh, mais de façon générale, manger beaucoup de légumes, manger des grains entiers, manger euh, des noix. Et il euh, n'y a pas de risque de manquer de prébiotiques en tant que tel. Donc, ce n'est pas quelque chose sur quoi on a à, à, à arrêter notre attention pour choisir un produit en tant que tel. Les probiotiques sont les bactéries qui sont vivantes, qu'on va retrouver dans les produits. Et là, c'est un peu complexe comme explication, mais allez sur la plateforme et regardez la formation euh, sur les, les probiotiques. En fait, ça va vous éclairer sur tout, euh, sur tout le sujet. Quels sont les produits qui seraient conseillés de mettre au réfrigérateur? Je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, les probiotiques et les oméga-3 en tant que tels. Vous pourriez mettre la vitamine D aussi dans le frigo, là, mais ce n'est pas une obligation. Ça se conserve très bien. <coughs> probiotiques et régularité intestinale. Si vous parlez de base probiotique, parce que vous vous demandez est-ce que c'est long avant d'avoir des effets appréciables, écoutez, base probiotique, dans mon cas, moi, là, la première capsule, la journée même, je vois déjà une différence. Une différence sur quoi? Sur, entre autres, les ballonnements, les gaz, en fait. Moi, je, je suis un amateur de bière, j'adore ça. Euh, je prends de moins en moins de bière alcoolisée. Je prends de la bière désalcoolisée pour réduire ma consommation d'alcool, tout simplement. Euh, et, et des fois, ça m'occasionne des gaz. En fait, la première capsule de base probiotique, les gaz disparaissent, finissent, zéro, une donc, donc, pour beaucoup de gens, ça va agir très rapidement. Donc, essayez-le, vous allez le voir. Certaines personnes vont avoir un empreinte tout le temps. Ça dépend de la problématique intestinale. Puis ça, je l'explique aussi dans la conférence sur les probiotiques. Euh, donc, par la suite, la fréquence à laquelle on l'utilise, ça dépend de chaque personne. Mémoire et santé cognitive, OK, pour un diagnostic de début de démence sénile. oui, tout à fait. En fait, ça peut même beaucoup aider. Ce qui va améliorer la circulation sanguine, il y a des gens qui vont récupérer certaines capacités, euh, ou encore ça va réduire la vitesse de perte des capacités qui restent. Euh, donc oui, c'est tout à fait très pertinent en tant que tel. Hein, pour les problèmes, des gens qui ont des problèmes cognitifs, euh, des troubles neurocognitifs là, de tout type, hein, peu importe le type, y compris la maladie d'Alzheimer. Que fait le stéarate de magnésium? Peut-il avoir des effets secondaires? Non. Euh, en fait, le stéarate de magnésium sur les produits vitali fait partie des ingrédients non actifs. En tant que tel, c'est un ingrédient ajouté en quantité infime. Qu'est-ce que c'est en tant que tel le stéarate de magnésium? C'est une molécule naturelle que vous produisez tous en tant que tel quand vous digérez, entre autres, du fromage. Euh, donc, c'est un, euh, un, un acide organique, tout simplement, euh, qui se lie au magnésium. C'est utilisé comme euh, ingrédient euh, pour faciliter le remplissage des capsules avec des, donc des machines euh, de remplissage de capsules, tout simplement, pour les produits. Euh, donc, c'est utilisé vraiment en quantité infime. C'est des traces, tout simplement, c'est une molécule naturelle qu'on produit nous-mêmes dans la digestion. Euh, donc, ça n'a pas de risque, ça n'a pas d'impact quelconque. Ça, ça fait juste ajouter un peu de magnésium. Je prends déjà 10 000 unités par semaine de vitamine D prescrite par mon médecin. Puis-je aussi prendre des produits vitaliques euh, qui en contiennent comme les oméga-3? Oui, en fait, calculez-les. Vous allez voir, en fait, hein, la quantité optimale de vitamine D que vous devriez utiliser, c'est 50 unités par kilogramme de votre poids. Si vous le calcule rapidement, regardez bien. Admettons qu'on prend une personne qui euh, pèse euh, 60 kilos, tiens, puis on multiplie par 50 unités, ça fait 3000 unités par jour de vitamine D pour quelqu'un qui pèse 60 kilos. Ça fait 3000 unités. 60 kilos, ce n'est pas très pesant. Hein? On parle de euh, 132 livres. Donc, quelqu'un qui pèse 132 livres, c'est 3000 unités par jour de vitamine D qu'on doit prendre. Multiplié par 7 jours, ça fait 21 000 unités par semaine. Donc, si vous êtes à 10 000, ce que vous, votre médecin vous donne, vous devriez compléter pour essayer de vous rendre au moins à 20, 21, 22 000, dépendamment de votre poids corporel. Donc, vous pouvez le calculer, là. mais habituellement, il n'y a pas de problème à ajouter soit des produits Vitali qui contiennent de la vitamine D, on a Vitali mémoire et santé cognitive, Vitali immunité qui contient de la vitamine D, ou encore les oméga-3, en fait, de base, qui vous permettent tout simplement de compléter votre apport en vitamine D. Différence entre EPA et DHA, comment choisir Je peux prendre plus de PA ou de DHA euh, Écoutez, au niveau des bases Oméga 3, parce que vous avez deux types de bases enrichies, en fait, euh, au niveau des Oméga 3, vous avez lui enrichi en EPA, puis lui enrichi en DHA ou en ADH en français. Euh, en fait, l'AEP en français, il euh, y a juste une application où on a absolument besoin de, de l'AEP ou de l'EPA c'est la dépression. Euh, les troubles de l'humeur, les problèmes cognitifs reliés avec les troubles de l'humeur, là, là, on est mieux d'y aller avec celui enrichi en AEP ou en EPA en anglais. Euh, toutes les autres applications, techniquement, on pourrait prendre tout type d'oméga-3. La seule chose qui est intéressante de savoir, en fait, là, qui peut être importante, c'est que dans le développement du cerveau ou la santé oculaire en tant que telle, les oméga-3 qu'on retrouve au cerveau, puis dans les yeux, c'est 95% et plus de l'ADH. Donc, si vous voulez prendre l'oméga-3 qui est dans la forme nécessaire, comme par exemple pour la santé des yeux, les gens qui font de la sécheresse oculaire, là, il y a des gens chez qui ça disparaît au complet en prenant un oméga-3 enrichi, allez-y pour l'oméga-3 enrichi en ADH, les gens qui le prennent pour le cerveau, pour la mémoire, la santé cognitive, les risques d'Alzheimer ou bien même le ralentissement des troubles neurocognitifs, allez-y aussi pour l'ADH qui est dans la forme qui va être absorbée par le cerveau. Mais techniquement, bon, pour l'inflammation, pour les maladies cardiovasculaires, pour l'hypertension. Vous pouvez prendre n'importe lequel, ça ne change rien. Énergie, fatigue intellectuelle, dépression, TDRH, oui. <laughs> oui. Et, et, et performance sportive. En Vitali, énergie est un produit qui est très particulier euh, parce qu'il va améliorer à la fois la performance cognitive et la performance physique, ce qui peut être utilisé pour les gens qui euh, <coughs> veulent bénéficier. Euh, d'une un, augmentation de la capacité cognitive, de la concentration sur une période de temps donnée. En fait, pour, en, en réduisant entre autres la consommation de café, donc il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Vitaly Energy l'après-midi, ou entre autres par exemple dans des périodes de temps où ils doivent, ils doivent être très productifs, euh, comme je m'en sers moi-même. <laughs> Voyons, le Langot, j'ai parlé beaucoup. Je m'en sers moi-même entre autres pour euh, euh, quand j'écris, je suis en train d'écrire mon cinquième livre, quand j'écris en fait que j'ai beaucoup de choses à écrire dans la même journée, je me sers de Vitolin Énergie, ça me permet d'aller plus vite, plus rapidement, de rester concentré plus longtemps. Donc, ça peut servir aussi pour les gens qui ont des problèmes de déficit de l'attention. <laughs> ah, Excusez-moi. Pour les, la déprime en tant que telle, donc les problèmes de déprime, de dépression, énergie, c'est génial parce qu'en augmentant la capacité intellectuelle, de concentration, de vigueur intellectuelle, ça améliore de beaucoup l'état d'esprit en tant que tel. Et l'autre application, c'est euh, la performance sportive. Ça améliore aussi la performance sportive. Avec les grands sportifs, vous vous entraînez beaucoup, vous faites du vélo, vous faites de la course à pied, etc. Euh, ça va augmenter en, fait, en tant que tel vos capacités physiques aussi. Euh, il y avait un commentaire en fait de Monique qui disait finalement en période de jeûne, on ne prend pas tous nos suppléments. En fait, vous pouvez toutes les prendre, sauf les oméga-3. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau des suppléments en jeûne, vous pouvez tous les prendre sauf les oméga-3. Donc, euh, peut-être un dernier élément, en fait, parce qu'il est déjà 8h20, euh, une dernière question. Sportif, ça m'intéresse. Donc, euh, comment? En fait, vitamine Énergie, il faut prendre une capsule par jour ou deux. En tant que telle. Donc, habituellement, une seule va suffire le matin ou le midi. Euh, vous la prenez dans la journée, tout simplement. Euh, je conseillerais de la prendre au moins une heure avant le besoin du bénéfice en question. Donc, c'est pour la concentration, la vigueur intellectuelle, pour travailler, Essayez de prévoir de le prendre au moins une heure à l'avance. Ça augmente très graduellement, très tranquillement, puis ça va repartir très tranquillement, très graduellement. Ça fait, que, habituellement, les gens ne s'en rendent pas trop compte, outre le fait que, par exemple, pour la fatigue intellectuelle, on va se rendre compte que euh, quand on est fatigué, qu'on est obligé de lire deux fois la même phrase parce qu'on a perdu le fil avant d'arriver au point, ça va améliorer ça. Euh, le mieux est de le prendre en mangeant, mais ça pourrait aussi être pris à jeun euh, en tant que tel. Euh, puis ça va augmenter aussi, donc, la performance sportive autant que la performance cognitive. Donc, le mieux serait, oui, de le prendre en mangeant parce qu'il contient du magnésium. Ça va être mieux absorbé si on le prend en mangeant, mais vous pourriez le prendre aussi euh, l'estomac vide. Euh, il n'y aurait pas de problème non plus. Donc ça fait le tour en fait pour ce soir. Je vais vous laisser là-dessus. On se revoit jeudi prochain pour la conférence de Julie Goulet, donc sur le métabolisme et le poids, les hormones. Donc une approche très intégrative de la santé. Je vous invite à être des nôtres. Ça va être très intéressant. Je vous invite bien sûr à partager aussi l'annonce de nos conférences, donc nos publicités, pour nous aider donc à rayonner et supporter du même coup. Euh, aussi nos euh, commanditaires que sont euh, Case Nutrition et les supermarchés Avril. Donc, je suis très fier, en fait, qui euh, commanditent les conférences Vitoli de tout l'automne de nos complets. Donc, au plaisir, en fait, de vous revoir bientôt. Bonne fin de soirée à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à info-commercialvitoli.ca. Bonne fin de soirée, tout le monde.